La 69e édition du Gala des courses, soirée de bienfaisance couronnant les meilleurs jockeys de plat et d'obstacles, avait lieu pour la première fois à la veille du dimanche du Saint-Alary 2018 dans les nouvelles structures de Paris-Longchamp, avec champagne, chansons et champions, smokings et robes de soirée brillantes au reflet de l'or des cravaches. Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce 69e Gala des courses. Pour vous tous ce soir, chers lauréats, c'est votre soirée. L'association des jockeys a mis tout son cœur et son énergie pour vous rendre hommage. Soyez ici, chez vous. La scène sur laquelle je me trouve vous appartient désormais. Je déclare la 69e cérémonie des cravaches d'or ouverte. Bonne soirée à tous. Christophe Soumillon a réussi un exploit historique en 2017 en signant le nouveau record d'Europe avec 305 succès, battant les scores de Sir Gordon Richards, Peter Shirgun et plus récemment de Pierre-Charles Boudot. Monté sur le podium en famille, il obtient sa 9e cravache d'or et peut donc espérer dépasser un jour le jusque-là inégalable Yves Saint-Martin avec ses 15 trophées. J'ai eu des années où j'étais cravache d'or avec énormément de facilité, moins de travail mais avec des plus grandes victoires au bout. Là, non, ce qui était beau, c'est surtout le challenge, quoi. C'était d'avoir annoncé que je voulais le faire et qu'au final, on y arrive. Le Gala des courses récolte des fonds pour les cavaliers accidentés, souvent des jockeys d'obstacles, comme Bertrand Lestrade, qui est parvenu à remonter au sommet après une année noire en 2016. L'année dernière, j'ai eu la chance justement de faire une année sans embûche. Et c'est vraiment très agréable justement après avoir vécu de moments aussi difficiles. Ça permet de façon certaine de savourer et d'apprécier d'être là ce soir devant tout le monde. Donc je tiens à remercier pour le côté professionnel Monsieur Maquin avec qui je travaille quasi exclusivement. Son équipe de propriétaires, son équipe du matin sans qui on ne serait pas là. Et sur un plan personnel, j'aurais aimé remercier mes proches qui sont là, ceux qui n'ont pas pu venir. Et aussi rendre vraiment un bel hommage à ma femme sans qui je ne serais probablement pas là non plus parce que sans une femme, il n'y a pas de grand homme. La soirée honore également les cravaches d'argent et de bronze, sacre les meilleurs apprentis et, fait nouveau, les femmes jockeys. Quant aux chevaux d'or, ils récompensent les meilleurs propriétaires, éleveurs et entraîneurs des deux disciplines du galop, dont Guillaume Macaire, très impliqué, puisqu'il a écrit les paroles de la chanson sur l'exploit de Soumillon, chantée par Barbara, sa compagne. Mais aussi peint et offert un tableau inscrit parmi les lots de la vente de charité, qui a permis de récolter un total de 50 000 euros au profit des jockeys blessés. C'est une soirée caritative, c'est une soirée où nous on a à cœur de faire plaisir et d'honorer tous ceux qui nous font vibrer tous les ans, soit bien les chevaux comme les hommes. Et une soirée comme ça, il n'y en a qu'une par an. Donc voilà, on est un petit noyau à l'organiser et on se donne vraiment, voilà, on met à cœur ouvert et on met nos tripes par terre pour justement honorer les gens parce que. On est un milieu où chaque week-end il y a des événements, tout passe. À un moment donné, c'est bien de faire stop, dire « Oh, les champions, c'est vous. » Et j'ai été honoré et je mets toujours une importance à honorer les autres. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Allez, stop.